Mais ils sont avec nous, eux aussi, ils ont des taxes à payer. La police avec nous. Non, mais madame. On observe que vous avez stoppé la progression de gens, là c'est parfait, hein. C'est tout à fait ce qu'on souhaite. Avec marchons, marchons, regarde, Macron. Regarde là-bas. Pour sa destitution d'or, Macron. Quoi? On est parti pour faire un sitting, hein. On est venu voir combien il y avait de gens, mais je crois qu'on est un peu déçus parce que devant nous, il y a une trentaine de personnes, même pas, je dirais 20 d'ailleurs, qui se font un peu pousser à droite à gauche à chaque fois par les flics, quoi. Donc je sais pas ce qui se passe, il se passe rien, quoi. C'est surtout la télé qu'on a parlé. Tout s'est passé sur BFM, je crois, depuis 15 jours. On voit rien, là, on est là depuis 6h du matin, on voit rien du tout, à part 15 pelés, quoi. À chaque fois qu'on me dit qu'il y a quelque chose ailleurs, c'est le même principe, on me dit il y a quelques personnes, ouais, c'est tout. C'est pas les 10 000 personnes que je pensais voir. J'ai le droit de mettre un gilet jaune, j'ai froid. J'ai pas le droit de mettre un gilet jaune. Je comprends pas. Je suis assis. Voilà, on bouge pas, on reste là. Non, sous quel prétexte on nous interdit de bouger? C'est inadmissible. Non, c'est inadmissible. Là, vous êtes en train de m'empêcher de circuler. Moi, je n'ai rien fait de mal. Je suis simplement un citoyen en colère. Voilà. Je suis un citoyen en colère. Monsieur Macron, sur son porte-avions, a dit qu'il comprenait notre. Oui, je parle beaucoup parce que je ne suis pas normal. C'est pas normal. Vous m'empêchez de circuler. Je n'ai rien fait de mal. Vous m'empêchez de circuler dans le territoire français. Ma volonté est de manifester mon mécontentement de manière pacifique, madame. J'enlève mon gilet, je vais dire que je vais rentrer chez moi. C'est ça que vous voulez entendre? Très bien. Voilà, je suis venu voir. Ok, pas de problème. Ok, très bien. Ne vous inquiétez pas, je vais appeler qui faut. On n'est pas là, parti politique ou pas parti politique. C'est simplement, il y a un pouvoir d'achat qui est moindre. Aujourd'hui, quand on paye à 1,50€ le gasoil, vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'ai rien contre vous. C'est pour nos enfants qu'on se bat. Pour vous comme pour les miens. Vous voyez? Je suis pacifique. Macron, si tu savais, tes lois où on se les met. Aucune hésitation. Qu'on soit rassemblés, qu'on fasse masse et que nous on décide, qu'on soit les seuls à décider et que personne décide à notre place. Pas de politique, zéro politique. Mais pas des moutons. Alors soit on va réveiller les riches à Neuilly, soit on va vers le périph, on fait un petit sitting. Mais voilà, on essaie un peu de bouger. Très bien. Mais que ça va? Je dois rester pour Coyou. Allez, on avance. C'est vert.
Je vais boire un coup, laissez-moi tranquille. J'ai le droit de boire un coup. Foutez-moi la paix. Allez, on y va. On a le droit de traverser. On y va. Allez, Philippe, va. Edouard Philippe, il a dit que vous devez nous laisser allez. Manifester. Vous n'avez pas le droit de nous retenir. Les gilets jaunes. Oui, ah bah oui, ah oui. On avance. Alors là. C'est mon cul. Et on rentre la saturation, c'est bloqué. On peut pas mettre 300 000 personnes en plus dans les... Et alors, Parce que les gens étaient prêts. Allez, doucement, en avant. On est cantonné, on fait regarde. Restez là. Le matos il est lourd. À un moment donné, ils vont se fatiguer. Nous on a rien. Ils vont se fatiguer. On va y aller à droite, on va y aller à gauche. Parce que là, c'est la deuxième fois dans la journée où on est des animaux. On est parqué. Et à un moment donné, aller à droite, aller à gauche, ça va les fatiguer. Mais on va y aller. Et on va y aller sur le périph. On se cache pas, nous, on va aller sur le périph. Allez, on y va. Allez, on bouge tout doucement. Allez, tout doucement, on va bouger. Allez, tout doucement. On y va, on n'est pas, on n'a rien fait. Je lève les mains. Vous êtes comme nous, putain, déposez vos armes là. Putain, vous voyez pas que c'est le peuple là. Eh, il y a des collègues à vous, composez le casque. Vous êtes comme nous. Bouclier. Dégagez. On ne part pas à la Fuyon. On ne part pas à la Fuyon. Pas d'accident. Stop.
Tout le monde se calme. Non. Si. On est là pour votre sécurité. Alors calmez-vous. C'est vrai. On n'a pas envie d'avoir un accident de la route. Macron démission. Macron démission. Macron démission. Macron démission. Macron démission. Vous aussi vous avez du mal à finir les mois, hein? Vous aussi vous avez du mal à la fin du mois. Vous aussi vous allez mettre de l'essence comme nous à la pompe. Je sais pas, il est pas là, Benalla. À moins qu'il y ait une réduction police. Hein, la réduction police. Il est plus là, Benalla. Ah, peut-être qu'il y en a un qui le remplace. Peut-être qu'il y en a un qui le remplace, on sait pas. Alors, vous êtes là pour notre sécurité. Liberté, égalité, fraternité, elle est où cette voilà, liberté, égalité, fraternité, les pays des droits de l'homme. Ou un pays où on n'a pas le droit de se déplacer. Je répète, depuis tout à l'heure, il n'y a eu aucun mouvement de foule. On qui pouvait prêter blocage, à confusion. Personne n'a été frappé. Vous nous avez encerclé. Vous avez parqué. Vous avez le droit, un jour, de poser les casques, de poser les armes et de dire non. On vous demande pas de tout casser. On vous demande même pas de nous accompagner. Laissez-nous. Mais ils ont des bouches à nourrir. On peut le comprendre. Pas vous qui perdrez. Mais vous avez une conscience. Vous êtes des êtres humains. Quand on va arrêter de consommer, on va arrêter d'acheter, on va arrêter de payer les impôts. On va virer tout ça. Ben, y aura plus regardez, pour regardez payer. Là. Vous nous dirigez vers des axes que vous, qui l'a choisi? C'est lui qui les a choisis. Ça fait des années, la Bastille, République, c'est un trajet que lui, que eux, ils ont choisi. Nous, on l'a pas choisi. Aujourd'hui, on a dit non. Tout le monde est là pour dire non. On va choisir notre chemin. Et pourquoi on n'a pas le droit de nous écouter? Nous sommes les champions du monde de la taxe. Derrière le Canada, derrière le Danemark, je veux dire. Bon, il est temps que ça s'arrête. Il est temps que Macron réduise le train de vie de l'État. 8 800 euros à l'Assemblée nationale pour 1 480 personnes. Il faut que ça s'arrête.